This is truly a celebration of the contributions women make in every aspect of life, in the home, on the job, in the community, as mothers, wives, sisters, daughters, learners, workers, citizens, and leaders. It is also a coming together, much the way women come together every day in every country. However different we may appear, there is far more that unites us than divides us. We share a common future, and we are here to find common ground so that we may help bring new dignity and respect to women and girls all over the world. À Wérou, j'ai découvert la sororité. J'ai découvert des dizaines de milliers de femmes, des grosses, des maigres, des vieilles, des jeunes, des blanches, des noires, des tout ce que vous voulez du monde entier. Et tout le monde s'en foutait de la tête que t'avais, et de combien de kilos t'avais, et de si t'avais été lifté ou machin ou truc, on s'en foutait. Et bien ça, je l'ai senti physiquement comme une libération. C'était absolument formidable. On s'arrêtait devant une tente, on voyait que c'était des femmes du, je sais pas, de Zimbabwe qui parlaient d'avortement, par exemple. La tente d'après, c'était des Françaises qui parlaient de parité. La tente d'après, des Américaines. La tente d'après... Donc, il y avait le monde entier qui était là. Ça faisait une atmosphère absolument extraordinaire. Il y avait beaucoup de bonne volonté, beaucoup d'énergie. On voulait vraiment obtenir quelque chose et ça nous poussait. Alors malgré la pluie, malgré les pieds qui flottaient dans l'eau, on était bien. C'est une expérience collective internationale de sororité. C'est comme s'il n'y avait pas de frontières. C'est-à-dire que l'expérience de l'une était intégrée par l'autre. Si vous voulez, il y a une sorte de MeToo avant la lettre. C'est-à-dire que les femmes, par exemple, qui parlaient de difficultés à avorter ou des choses comme ça, t'en as forcément une qui va dire « mais moi aussi ». Alors, il y en a une qui vient du Sénégal et l'autre qui vient du Guatemala. Elles n'ont pas le même âge, pas le même parcours, pas le même mari, rien. Et elle est capable de dire « moi aussi ». Et ça, c'est un truc féminin, féministe au féminin, incomparable. Le 4 septembre 1995, s'ouvre à Pékin la plus grande conférence sur les droits des femmes jamais organisée. Sous l'égide de l'ONU, les délégations de 189 États y participent. À quelques dizaines de kilomètres de là, s'est ouvert 5 jours plus tôt dans la petite ville de Wérou, le Forum des ONG. Il réunit plus de 2100 ONG et près de 35 000 femmes du monde entier. Les participantes comptent bien faire entendre leur voix. Elles organisent 5000 ateliers et conférences ouverts à tous. Le Forum des ONG est un lieu bouillonnant où des femmes venues du monde entier se rencontrent pour partager leurs expériences, leurs espoirs et leurs colères. À la conférence officielle, ont lieu les négociations politiques entre États pour aboutir à la rédaction d'un texte de consensus. Les militantes des ONG y tiennent un rôle majeur vis-à-vis de leurs délégations officielles, qu'ils soient de lobbying actif ou de contre-pouvoir. Le succès populaire et le retentissement international de la conférence de Pékin et du Forum ne furent jamais égalés. Ils peuvent se comprendre par leur place singulière au croisement de deux lignées de conférences onusiennes. La première sur les droits des femmes prend naissance 20 ans auparavant, avec l'année internationale de la femme décrétée par l'ONU, et la tenue de la première conférence sur le sujet à Mexico en 1975. La deuxième lignée est celle des grandes conférences onusiennes de la première moitié des années 90, dont la conférence de Pékin marque autant l'apogée que la conclusion. Il faut dire que cette conférence se situe dans un cycle de très importantes conférences des Nations Unies, qui est le cycle des années 1990, qui commence en gros avec le sommet de la Terre à Rio de Janeiro, la grande conférence sur l'environnement et le développement. 1994, conférence sur la population et le développement au Caire, qui a été également extrêmement importante. Avant 1994, la conférence de Vienne sur les droits de l'homme, on ne disait pas encore droits humains tout à fait en France, mais maintenant sur les droits humains, également extrêmement importante. Et celle de Pékin, après le sommet social de Copenhague en mars 1995. Donc c'est un cycle.
Et pourquoi ce cycle est extrêmement important? Parce que les années 90 sont le cycle où s'affirme une société civile internationale. Pékin 95, c'est pas tombé du ciel, il y a une histoire derrière. Et l'ONU a décrété en 1975 une décennie pour les femmes qui couvrait 75 à 85. Cette décennie a été ponctuée par première conférence Mexico, deuxième conférence 1980 Copenhague et troisième conférence donc Nairobi, bilan de la décennie. L'ONU décrète quatre conférences mondiales sur les femmes. Mais pourquoi il prend cette décision? Parce qu'il y avait de fortes mobilisations des femmes dans le monde entier qui portaient principalement sur les droits à l'avortement et à la contraception, mais aussi la lutte contre les violences qui était déjà à l'ordre du jour dans les mobilisations féministes. Eh bien, ces luttes ont eu leur propre retentissement auprès des femmes qui travaillaient dans les commissions donc de l'ONU et qui elles-mêmes ont demandé à ce qu'on mette en place une conférence mondiale sur les femmes. Alors la conférence de Mexico, elle est très importante parce qu'en fait, en somme, elle marque un tournant. Quand il y a toutes ces analyses, ces bilans que présentent les États sur la situation que vivent les femmes dans leur pays, on se rend compte que finalement, la situation des femmes dans certains pays n'a guère évolué et ne s'est guère améliorée. Ils préconisent à ce moment-là des mesures à prendre, et principalement dans les pays justement qu'on qualifie du tiers-monde à l'époque, pour aller vers beaucoup plus d'égalité. Ça, c'est un tournant parce qu'il y a eu davantage de femmes qui se sont intéressées à cette conférence mondiale. Et puis aussi davantage d'États progressivement au fur et à mesure que les conférences mondiales ont eu lieu. À Mexico, comme à Copenhague, il y avait très peu d'organisations non gouvernementales. D'abord, ça ne se savait pas beaucoup, on n'avait pas vraiment compris l'importance qu'il pouvait y avoir pour nous. C'était plutôt des conférences d'États. À Nairobi, en 1985, à la conférence sur les femmes de Nairobi, la société civile féminine et féministe internationale s'était affirmée avec beaucoup de force, avec beaucoup de présence, avec beaucoup de dynamisme. C'est la première fois quand même que je voyais quand même autant de femmes réunies ensemble, venant de partout, discutant de tout. Et on se rendait compte qu'on avait des points de convergence d'être femmes et des différences. Et ces différences, elles étaient significatives, mais elles ont permis quand même, disons, de se rapprocher et de faire entendre nos voix, de partager. C'était notre conférence. Elle n'était pas à New York, ce n'était pas à Copenhague, c'était chez nous. Et je crois que les Africaines se sont appropriées l'espace physique et l'espace idéologique de la conférence. La conférence de Pékin intervient 10 ans après la fin de la décennie des Nations Unies pour la femme, à une époque où la question des droits des femmes se voit débattue dans toutes les conférences généralistes de l'ONU. Les tractations à Rio, Vienne et Le Caire, dans les 3 années précédant Pékin, mettent les femmes et leur rôle social au premier plan. If there is one message that echoes forth from this conference, let it be that human rights are women's rights and women's rights are human rights once and for all. Women's rights are human rights. Les droits des femmes sont des droits humains. Ce slogan, né à la Conférence mondiale sur les droits de l'homme de Vienne en 1993, est repris par Hillary Clinton, alors première dame des États-Unis, à la tribune officielle de Pékin. Il est aussi largement utilisé par les femmes de la société civile lors de manifestations dans l'enceinte du forum à Uérou. Ce cri de ralliement marque un tournant essentiel dans le combat pour les droits des femmes à l'échelle internationale. Il inscrit leurs droits dans le sillage de la Déclaration universelle des droits de l'homme adoptée par l'ONU en 1948. Toute atteinte aux droits des femmes est dès lors perçue comme une attaque directe contre les droits humains. S'appuyant sur ce rapprochement, de nombreuses femmes et plusieurs gouvernements s'alarment du choix de la Chine comme pays hôte. Dans la mesure où la Chine s'affirmait comme puissance internationale de premier rang, la Chine voulait accueillir une conférence internationale. La Chine a dit à l'ONU, et nous, nous on n'a pas eu de conférence, mais ce n'était pas prévu. L'ONU a dit, mais il n'y a pas de problème, on va faire une conférence pour vous. On va rajouter une conférence à la décennie. Donc la Chine voulait accueillir une conférence internationale. Or, depuis plus d'une décennie, toutes les conférences internationales s'accompagnaient d'un forum des ONG.
Et là, la Chine était beaucoup moins enthousiaste, dans la mesure où la dictature chinoise s'accommode mal, évidemment, de la liberté d'expression inhérente à l'expression de la société civile internationale elle-même. Et donc, il y a eu une espèce de côte mal taillée acceptée par les Nations Unies, acceptée par les États participants à la conférence, qui a relégué le forum des ONG à 60 km de Pékin, dans une bourgade appelée Wairou, dans des conditions logistiques assez déplorables, il faut bien le dire. C'était un vaste espace, on nous avait dit que c'était une ville de villégiature. On n'a pas tellement trouvé que ça avait un aspect de villégiature. On était dans un grand terrain vague et des bâtiments non terminés et puis surtout très compliqué pour circuler. Le forum était un petit peu un grand bazar. On était un petit peu perdus. On a été logés dans des petites pièces qui étaient un petit peu monacales, je dirais. Mais ça, c'était pas gênant du tout. Et puis, on a passé les deux ou trois premiers jours, chacune, errant un petit peu, ne sachant pas exactement qu'il y avait un programme, s'arrêtant ici et là, devant les tentes, quand on pouvait comprendre la langue qui était parlée. Alors, imaginez 300 ateliers dispersés sur 400 hectares. Eh ben, il fallait se promener, il fallait chercher. Et on avait une heure par atelier. C'est-à-dire qu'il fallait, en arrivant dans l'atelier, que tout soit prêt pour qu'en une heure, on ait fait la mise en route et la conclusion de l'atelier. Vous imaginez que c'était pas évident, mais c'était fait exprès, ça. C'était pour qu'il y ait le moins de travail possible. Et donc, on se baladait sous la pluie. Il a beaucoup plu pendant tous ces jours, donc les pieds dans la boue, faisant la queue pour les toilettes. Enfin bon, le quotidien était quand même très... Très bon, c'était une aventure. Nous n'étions pas tous dans les mêmes hôtels. Nous étions, certains étaient sur place à Wairou et d'autres étaient à Pékin. Pékin, c'était 65 kilomètres. Dans des autobus dont je ne vous dis pas la vétusté, parce que c'était vraiment des vieux autobus. Je me suis trouvée moi-même dans un bus sur le moteur parce qu'il n'y avait pas assez de place. Les moyens de transport étaient parfaitement embryonnaires. Il était très difficile de se déplacer de Pékin à Wairou. Les participantes au forum des ONG, qui étaient quand même plusieurs dizaines de milliers, ont eu beaucoup de mal après à se connecter à la conférence officielle. Donc enfin, la Chine a mis des bâtons dans les roues les plus nombreux possibles au forum des ONG. La mauvaise volonté du gouvernement chinois à l'égard des ONG a créé d'importantes tensions internationales. Mais d'autres désaccords auraient pu avoir des conséquences bien plus graves. Ils proviennent principalement d'une confrontation entre deux blocs de pays. D'un côté, les pays laïcs. De l'autre, les pays où les lois régissant les relations sociales et familiales sont basées sur des préceptes religieux. Ces tensions sont d'autant plus graves qu'elles laissent planer un doute à Pékin. L'ambition première de la conférence officielle est de définir un agenda précis pour la mise en œuvre de l'égalité à l'échelle internationale. Avant la conférence, cet objectif semble hors d'atteinte. Nombreux sont ceux qui pensent que Pékin actera un recul sur les droits des femmes. À la tribune officielle, la représentante britannique se voit ainsi dans l'obligation de rappeler l'enjeu de cette conférence pour les femmes du monde entier. L'obtention d'un document officiel qui reconnaisse les droits acquis lors des conférences précédentes. Benazir Bhutto, la première ministre du Pakistan, met elle aussi en garde les pays musulmans prompts à refuser toute égalité entre les deux sexes. Et pourtant, les positions de sa délégation ont pu être jugées des plus régressives. And as a Muslim woman, I feel a special responsibility to counter the propaganda of a handful that Islam gives women a second-class status. Le texte qui doit émerger de la conférence officielle, nommé « Programme d'action », est le fruit d'un travail minutieux de plusieurs mois. Il est issu de réunions préparatoires tenues à l'ONU, mais aussi de conférences régionales auxquelles les ONG ont pleinement participé. Il définit des objectifs stratégiques et des mesures à prendre et s'organise autour de sujets aussi divers que la santé, la violence et les conflits armés, ou la reconnaissance des droits de la petite fille. Les articles ou mots qui ne font pas consensus entre les États arrivent à la conférence officielle entre crochets. Le jour de l'ouverture officielle, un tiers du texte est encore entre crochets.
du jamais vu. Charge désormais aux délégations de trouver, durant la semaine, un terrain d'entente dans des séances de travail qui se tiennent jusque tard dans la nuit. Il y avait eu en 1994 une conférence en Égypte sur ce qu'on appelle les droits reproductifs, les droits de la santé, avortement, contraception. Il y avait eu des avancées qui ont été remises en cause à Pékin par les gouvernements conservateurs. Les gouvernements essayent toujours de revenir sur ce qui a été décidé. Dans toutes les conférences des Nations Unies, les tensions sont extrêmement importantes, surtout quand il s'agit de cette question-là. Vous avez forcément des clivages qui étaient déjà apparus en 1994 au Caire lors de la conférence sur la population, qui étaient apparus en 1993 à Vienne lors de la conférence internationale sur les droits humains. Parce que le grand mot d'ordre, le grand slogan à Vienne des mouvements féministes qui étaient là, c'était « les droits des femmes sont des droits de l'homme ». Jusque-là, effectivement, c'était pas évident que les droits des femmes étaient des droits de l'homme au Caire. Comme à Vienne, vous aviez une césure tout à fait visible, évidente, entre ce qu'on a appelé depuis Vienne la Sainte Alliance. Alors qu'est-ce que c'était la Sainte Alliance? Ce sont les États les plus conservateurs qui sont l'Arabie Saoudite, l'Iran, le Pakistan, le Soudan et le Vatican. Ces cinq États qui formaient réellement un groupe essayant de bloquer tout ce qui avait trait aux droits des femmes. Nous nous étions rendus compte que nous étions catholiques, protestants, juifs, musulmans, peu importe, chacune de nos religions avait une forme extrémiste. Et c'était jamais la religion, mais les extrémismes qui étaient anti-femmes. C'était eux qui voulaient nous voir soumises. Jointes à ça, il y avait évidemment le Vatican, qui à l'ONU n'est qu'observateur, mais ce n'est pas le cas. En fait, elle vote comme tout le monde, ce qui n'est pas correct. Mais allez le lui dire. Oui, ils sont énervés en face, ouais. Et donc ils sont politisés aussi. Et à Pékin, ils étaient là en train d'intriguer pour que chaque mot concernant les droits reproductifs était vérifié 15 fois et si possible, faire reculer ce qui nous était déjà acquis. Les femmes ont tenu bon, c'est-à-dire qu'ils n'ont pas réussi. Et au retour de Pékin, j'avais fait un papier sur ces droits reproductifs que je vous lis. La conférence de Pékin a bien montré que la liberté des femmes passe par leur liberté sexuelle. L'international des intégrismes, c'est un nom qui avait été donné aux représentants de l'Iran et d'autres pays islamiques, ainsi qu'aux représentants du Saint-Siège et de ses alliés africains et latino-américain. L'objectif de cet international des intégristes, c'était de revenir sur les acquis du Caire, c'est-à-dire sur la liberté de choix en matière de sexualité et de contraception. Relayés au forum des ONG par des militants agressifs, ils ont échoué grâce à la détermination des femmes qui, majoritaires à la tête des délégations, ont mené les négociations. Donc, c'est pas un acquis de Pékin, mais c'est un maintien de quelque chose qui était menacé. À Pékin, l'Arabie Saoudite était absente. Elle avait décidé de ne pas participer à la conférence de Pékin. C'était plus simple. La bande des cinq s'est réduite à une bande des quatre à Pékin. Donc, Iran, Pakistan, Soudan, Saint-Siège, essayant de bloquer la question des droits sexuels et reproductifs, et particulièrement, évidemment, la question de l'interruption volontaire de grossesse, bien entendu, et la question de l'égalité. Et alors, il y a eu un grand débat sur la question, les pays conservateurs, les États conservateurs voulaient remplacer par le terme d'égalité par celui d'équité. L'équité n'est pas la même notion que l'égalité, parce que qu'est-ce qui est la mesure de l'égalité? C'est la loi. Qu'est-ce qui est la mesure de l'équité? Il n'y a pas de mesure de l'équité, puisqu'en fonction des États et des pays, si la religion est religion d'État, eh bien, il n'y a pas de loi qui permet de la même manière d'avoir une notion d'égalité. Donc, même les femmes des pays
sous loi musulmane ou dans les pays d'Amérique latine où la religion catholique est très forte, se battaient en disant non, 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 on ne veut pas l'équité, on veut l'égalité. Mais il y a d'autres manières d'avoir des moyens. Et le tout premier, c'est de pouvoir hériter comme les hommes. Or, ce n'est pas le cas. Ce n'est pas le cas dans aucun pays musulman. Ce n'est pas le cas dans beaucoup de pays totalitaires qui ne sont pas musulmans, mais qui ne permettent pas aux femmes d'hériter comme les hommes. Si la famille a la possession d'une maison ou d'un terrain, ce n'est jamais une fille qui va pouvoir hériter. La question de l'héritage, c'est quoi? C'est qu'il y a un certain nombre de pays au monde dans lesquels l'égalité successorale n'existe pas. En droit positif musulman, à degré de parenté égal, la fille touche la moitié de la part du garçon. Alors, il y a certains pays musulmans qui se sont laïcisés où cette disposition ne s'applique pas, comme la Turquie, par exemple. Mais disons que dans la plupart des pays musulmans de la planète, cette disposition du droit positif musulman s'applique. Dans les mouvements féministes du monde musulman, la question de l'égalité successorale est une question centrale. Est une question d'autant plus centrale qu'elle touche à la sphère économique. Et c'est pour ça, d'ailleurs, que c'est une des bastilles les plus défendues par les hommes, parce que là, on touche au cœur de l'inégalité, qui est l'inégalité économique. Aux Nations Unies, les Sherpas, avant la conférence officielle, préparent le document et mettent les passages qui sont sujets à controverse, les mettent entre crochets. Alors, le document final de Pékin est arrivé absolument truffé de crochets à la conférence officielle, dont les crochets sur la question de l'héritage, puisque le document disait les femmes ont droit à un héritage égal à celui des hommes. Fronde. Et donc, il y a eu des négociations, et le texte final est arrivé à un compromis onusien par excellence, qui est les femmes ont un droit égal à l'héritage. C'est-à-dire, au lieu d'un droit à l'héritage égal. C'est-à-dire que les femmes ont le droit d'hériter, mais on ne met pas la proportion. Et donc, il y a eu des tas de compromis de ce type. Mais l'héritage n'est pas un sujet à côté. Attention, on est au centre de l'égalité quand on parle d'héritage. D'autres tensions émergent. Si l'Union européenne parle d'une seule voix à la conférence officielle, elle se déchire en sous-main au sujet de la prostitution. Le lobbying des États réglementaristes amène pour la première fois dans un texte international à accoler au terme de prostitution celui de forcer, enterrant la position abolitionniste de l'ONU. Un autre sujet de discorde manque de faire capoter la conférence jusqu'au dernier jour. Celui des discriminations sur la base de l'orientation sexuelle. Le déchirement est international. Les pays occidentaux, Cuba ou encore l'Afrique du Sud de Nelson Mandela demandent que le texte final condamne cette discrimination. Mais trop de pays sont vent debout. La présidente de la conférence se voit obligée de repousser l'examen de ce point à une conférence ultérieure. Après une semaine de travail acharné, un texte commun est signé par les 189 délégations. C'est une victoire, tant les femmes s'attendaient à des régressions importantes. Pourtant, les pays ont pu apposer à chaque article des réserves, arguant de spécificités culturelles ou religieuses. En acceptant de telles réserves, l'ONU entérine le fait qu'il ne peut garantir à toute femme les mêmes droits. Mais un basculement plus profond s'opère. C'est la montée en puissance des pays du Sud. Si celle-ci n'est pas nouvelle, il faut attendre les années 90 pour que les États-Unis et l'Europe occidentale perdent la mainmise qu'ils avaient sur l'agenda international et que les pays du Sud affirment pleinement leur position. Tous ne sont pas à l'unisson, certains adoptant des positions progressistes, d'autres plus régressives, mais ils sont désormais partie prenante des débats. Cette éclosion du Sud n'est pas le seul fait des délégations officielles. Elle est encore plus marquée au forum des ONG de Wérou, où les féministes du monde entier se rencontrent. Les femmes occidentales y sont minoritaires. La société civile du Sud, les organisations du Sud, ont été
très présente à Ouagadougou. Aussi bien les associations asiatiques, après tout, on était dans leur ère, hein, c'était l'Asie, donc de la Malaisie à l'Indonésie, aux Philippines, elles étaient là. Le subcontinent indien était très présent à Wairo, malgré le conservatisme de certains États. D'ailleurs, les ONG étaient contre les États, hein, puisque le Pakistan fait partie des États les plus conservateurs en matière de statut et de conditions des femmes. L'Afrique subsaharienne était très présente, le monde arabe également, l'Amérique latine aussi, dite latine aussi. Les femmes du tiers-monde étaient beaucoup plus au courant des grands textes internationaux, probablement, très certainement, parce que beaucoup plus démunies, enfin souffrant beaucoup plus de toute forme d'exploitation, que les Européennes, quand même plus nanties. Donc les femmes du tiers-monde ont toujours été très au fait de ces leviers que sont les législations, les conventions internationales pour agir et faire pression sur les gouvernements. C'est le moment où les ONG du Nord, les sociétés civiles du Nord, cessent d'être hégémoniques dans la présence internationale. Les femmes du Sud se sont emparées des outils que le féminisme pouvait leur donner. Et ça, c'était important. Et quand on parlait d'égalité, on parlait d'une égalité à partir de contextes politiques qui étaient les nôtres, mais pas d'un contexte politique américain retransplanté dans le reste du monde, d'un féminisme français retransplanté en Afrique francophone. Non, c'était plus ça. C'était des outils d'analyse, des concepts, le genre, etc. C'est vrai, c'est des concepts que nous avons récupérés, mais nous leur avons donné du sens et un sens qui puisse expliquer nos situations. Et ça, c'était important. Nous, à Pékin, nous ne sommes pas allés les mains vides, en fait. Hein. Nous sommes allés avec nos produits et particulièrement le Parlement symbolique que nous avons tenu. Ça, c'était la meilleure des activités, je pense, de Ouagadougou, où les Maghrébines ont pu avoir plus de 2000 femmes dans ce Parlement symbolique, où nous avons présenté notre projet de loi, qui était une loi sur la famille, donc basée sur l'égalité, valeurs universelles, mais surtout en expliquant que les militantes maghrébines que nous étions, nous l'avons rédigée ensemble, mais nous l'avons aussi rédigée sur la base de la séparation du religieux et du politique. L'assentiment, en tout cas, des 2000 femmes était réconfortant pour nous parce que ça nous a encore boosté davantage. Ce qui est très important, je crois, c'est que dans ce type de rencontre, on peut construire des synergies, on peut échanger des expériences. Ah tiens, chez moi, c'est la même chose. Pourquoi ne travaillerions-nous pas ensemble? Nous apprenons des unes et des autres, parce que je pense que le combat féminin est le même, l'oppression est la même. Et donc, le fait d'aller voir un peu en Europe, en Amérique latine, un peu comment ça se passe, c'est important pour nous. Lorsqu'il y a un objectif qui nous unit, il vaut mieux aller ensemble et le défendre. Ça, c'est très important. Comme ont fait les femmes d'Amérique latine. Moi, j'ai été subjuguée par les militantes d'Amérique latine. Et je crois que c'est grâce à elles que l'égalité valeur universelle n'a pas été perdue, a été consacrée à Pékin. À Ouérou, chacun parlait sa langue. Mais les femmes arrivaient à se comprendre sur les sujets les plus importants, quelle que soit leur langue. Ça n'avait pas d'importance. Nous avions des signes ou des dessins. Ces femmes étaient très en colère. Hein? Elles avaient plus de colère que de joie. Elles ont célébré, elles ont chanté, elles ont dansé aussi, parce que y a ça aussi dans le mouvement féministe. Mais il y avait quand même énormément de colère contre, moi je dirais, l'injustice économique d'abord. Au Brésil, les pays d'Amérique du Sud, les femmes se révoltaient de leur situation de pauvreté, justement de non-reconnaissance, manque de travail. Alors elles faisaient des grandes banderoles et on les suivait dans les allées parce qu'elles manifestaient, elles mettaient des pancartes contre les violences aussi. Il y avait beaucoup de manifestations. Nous avons fait une marche énorme, très importante, contre la lapidation. Elle existe de deux façons, c'était pour l'Iran, et les pays musulmans qui ont la charia. C'est-à-dire qu'un homme
va être enterré jusqu'à hauteur de d'une partie de la poitrine. Et s'il est lapidé, il a le temps de pencher la tête d'un côté ou de l'autre. Et s'il n'est pas blessé mortellement au moment de pencher sa tête parce qu'il a évité les pierres, il sera relâché, il sera sauvé. Une femme, non. Elle est enterrée, elle est ensevelie jusqu'au cou. Et lorsqu'elle est ensevelie jusqu'au cou, les pierres sont obligées de tomber sur sa tête. Donc, elle est forcée de mourir. Ça a été un des points forts. On a eu le soutien de beaucoup de femmes d'autres pays, surtout au moment où les Iraniennes nous ont menacées, où elles ont fait leur contre-manif. On s'est rencontrées face à face. Je me demande comment on n'en est pas venu aux mains. Elles étaient face de nous, elles nous ont menacées avec des gestes bien significatifs. Mais le soutien des femmes qui étaient là a démontré que lorsque les femmes sont unies de par le monde, on peut arriver. La grande réussite de 1995 est la vigueur que le Forum impulse au mouvement féministe et les rapprochements internationaux qu'il fait naître. Le féminisme prend conscience de son envergure. Le constat dressé pendant 2 semaines a pu paraître sombre, tant l'égalité n'est acquise nulle part, mais l'effervescence a été si grande que les ONG du monde entier en sortent renforcées et revivifiées. Cette réussite n'aurait pas été possible sans celle qu'a connue la conférence officielle. Le programme d'action n'est pas qu'une affaire d'État. Il joue pour les ONG de terrain un rôle de premier plan. Les activistes rentrent dans leurs pays respectifs. S'appuyant sur les articles que leurs délégations viennent de signer, elles demandent à leur gouvernement des engagements concrets et rapides. Certes, il n'existe pas de mécanisme contraignant les États à appliquer leurs engagements, mais le programme d'action de Pékin légitime le combat que ces femmes mènent pour l'égalité depuis des décennies, parfois contre ceux qui les gouvernent. La victoire est double. Lorsque je suis revenue de la conférence de Pékin, j'étais remontée à bloc. Rien que d'avoir rencontré tous ces gens du monde entier, d'avoir entendu tout ce qui allait se faire et tout ce qui s'était fait, ça m'avait donné énormément d'entrain pour continuer à militer parmi les organisations. Mon retour a été enthousiaste. Il y avait une telle ambiance, je crois que c'est ce qui a dépassé les déceptions, parce qu'évidemment on a eu des déceptions, mais je dois dire on s'y attendait un peu aussi. On savait qu'on n'aurait pas tout ce qu'on avait demandé. Il fallait garder le côté avenir, ce qu'on pouvait tirer de ce qui avait été acté. Les États, la France s'était engagée, avait signé tout ce qui était dans la déclaration de Pékin. Il n'y avait pas tout ce qu'on voulait, mais il y avait quand même des points sur lesquels on avait vu qu'on pouvait toucher, s'appuyer pour aller plus loin. On avait beaucoup travaillé sur ce qu'on a appelé à Pékin l'empowerment et le mainstreaming, qui était un autre mot qui avait beaucoup circulé. Le mainstreaming, c'était interroger toutes les politiques qu'on met en place, vérifier si la politique va être contraire aux femmes, va les pénaliser ou pas. C'est d'observer chaque question à partir d'un point de vue féministe. C'est-à-dire que le forum des ONG à Pékin s'est appelé « Regarder le monde avec des yeux de femme ». Ben voilà, c'est ça, l'égalité intégrée. C'est-à-dire ne pas faire que du catégoriel, mais faire aussi du général. C'est-à-dire introduire du catégoriel dans le général et à partir de ce catégoriel, de voir comment est analysée la question et qu'est-ce que ça change dans les propositions. Donc, on est revenu avec cette idée-là. Et puis alors, la parité n'étant pas dans le document, il y avait tout de même qu'il fallait que les États s'engageaient à faire en sorte que les partis politiques conduisent plus de femmes dans les listes des assemblées quand il y avait des élections. Donc ça, on s'est dit, c'est des points sur lesquels on va s'appuyer. Après la conférence de Beijing, au fond, les Africaines rentrées chez elles, ont revu les dispositions et les conventions que les États avaient signées. Elles avaient un outil pour faire avancer leur propre agenda, pour faire non seulement abolir les mutilations génitales féminines, mais discuter de la question des veuves, de la question de l'héritage, de la polygamie, du mariage des petites filles. Après Pékin, nos élus parlementaires ont présenté beaucoup de nouvelles lois sur l'éducation sexuelle,
pour légaliser l'avortement, pour améliorer les choses pour les femmes et les petites filles. Les lois venaient compléter les programmes d'action en cours. Nous avons commencé à avoir des lois sur les quotas de représentation dans les syndicats ou sur la présence de femmes aux postes de direction dans le secteur privé. Nous avons voté un nombre important de lois essentielles. Grâce à ça, nous avons mobilisé l'exécutif et quand le gouvernement a changé, nous avons pu avancer. C'est vrai que les quatre conférences mondiales sur les droits des femmes, c'est terminé. Hein? C'est-à-dire que, bon, l'ONU avait dit on fera quatre conférences mondiales sur les droits des femmes. C'est fini. Donc, nous attendions toutes les associations qui aient d'autres conférences mondiales sur les femmes, parce qu'on sait bien quand même que, vu les reculs, il faudrait quand même savoir exactement où nous en sommes. On a longtemps espéré, du moins moi j'ai longtemps espéré, et beaucoup de mes amies militantes y ont pensé qu'on en refasse une conférence comme ça. Et puis non, on pense qu'il vaut mieux pas, parce que ça serait l'occasion pour les mouvements les plus conservateurs, les plus anti-féministes, de s'exprimer. Si on regarde la politique sur la planète, il y a quand même énormément de pays maintenant qui laisse de la place au fondamentalisme religieux, mais aussi au conservatisme le plus terrible et la politique la plus répressive. Donc nous ne sommes pas dans une situation où le monde va de l'avant, comme on pouvait encore l'imaginer dans les années 70 et peut-être aussi dans les années 90. Le recul est là, on le voit, on sent. C'est-à-dire que la liberté de la femme, j'aime que ça soit en Europe, en Amérique ou en Afrique, ou en Afrique du Nord ou en Afrique subsaharienne. Mais je dis pour tout ce monde, qu'il soit catholique ou d'une autre religion ou musulman, opprimer la femme est leur leitmotiv. Ils ont le même regard sur la femme. Perdre le contrôle sur la femme, c'est comme s'ils perdaient leur âme. Et là, je pense qu'il faut une autre conférence mondiale pour rappeler à nos États qu'ils ont pris des engagements. Si on refaisait une autre conférence mondiale, ils seraient d'autant plus engagés qu'ils ne le sont aujourd'hui quand il n'y a que des conférences régionales comme l'Union pour la Méditerranée. Non, moi, je pense que le mondial est beaucoup plus important parce que ça pose les fondements des droits fondamentaux. Sur le plan des droits, les Nations Unies, depuis leur création, depuis la Déclaration universelle des droits de l'homme de 1948, créent un droit international. Elles créent un droit international qui s'impose comme droit normatif dans la mesure où les pays y adhèrent. Alors, évidemment, le plan d'action de Pékin, la Déclaration de Pékin, ne sont pas des textes obligatoires. C'est pas comme un traité. Si vous voulez, les conventions des Nations Unies, comme la CEDAW, comme la Convention contre la torture, ce sont des conventions internationales qui sont égales à des traités. C'est-à-dire que quand on les ratifie, la ratification oblige les États à introduire les dispositions d'un tel traité dans son droit interne. Bon. Ce n'est pas le cas des déclarations et des plans d'action. Ça oblige les États à se pencher sur la question, à bosser un peu, à avancer des résultats. Tous les États veulent dire « moi, j'ai bien fait mon devoir ». Ça a un effet de mouche du coche. Et ça permet de rappeler que l'égalité est encore loin. C'est bien que les États soutiennent, mais je pense qu'il ne faut jamais, jamais oublier les personnes qui sont en bas de l'échelle. Il ne faut pas que ça se fasse à leur détriment, à leur insu. Il faut pas. Les effets d'annonce ne suffisent pas, quoi. Et ça peut servir à ça, le féminisme, aujourd'hui, dans beaucoup de pays. Je pense qu'aujourd'hui, les tensions seraient beaucoup plus graves. Je pense que ça ne serait peut-être pas le même sentiment de paix, parce qu'en parallèle, les gens ont une vie parallèle aujourd'hui, avec les messages, les textos, les machins. Donc, ça pourrait monter en puissance, en virtuel, alors qu'à Pékin, il n'y avait pas. On se parlait, en fait. Et ça, je pense que ça peut être des sujets de tension. Je pense aussi qu'il y a
y a des problèmes qui montent à la surface de plus en plus graves, qui sont de plus en plus difficiles pour les droits des femmes et l'égalité, etc. Je pense qu'on n'aurait pas le même sentiment de sécurité. Néanmoins, je souhaite à toutes les féministes du monde de connaître ce qu'on a connu, nous, parce que c'était une expérience optimiste, en fait. L'ouverture a été très, très, j'allais dire, cérémoniale, enfin une belle cérémonie avec des jeux, des photos, enfin dans le stade, comme on sait très bien faire en Chine. Alors, par contre, la face inverse, c'est quand on est arrivé, on a trouvé des bâtiments qui n'étaient pas terminés, des tentes à la place des bâtiments dans lesquels on ne pouvait pas se réunir. Après ça, donc voilà, les tentes qui étaient mal, il n'y avait pas de micro, donc les ateliers étaient difficiles à suivre. Il fallait s'approcher de la lumière où il y avait un micro, ce n'était pas très pratique. Ça, c'est les femmes en noir et les barbus qui tenaient leurs ateliers dans le silence, personne ne parlait, c'était très impressionnant. À côté des Africaines qui chantaient et qui était toujours gaie, toujours joyeuse, et pourtant qui n'était pas forcément dans les meilleures conditions. Là, c'est les manifestations contre les violences. Alors, je ne sais pas si j'en ai des européennes. Là aussi, c'est encore des manifestations qu'on a pu suivre. Là, c'est la période de pluie. Il a plu pendant 2 ou 3 jours, et c'est vrai que c'était difficile de suivre d'aller d'un atelier à l'autre, il fallait traverser des véritables mares. On était toujours trempés. Là aussi, la salle de presse. Les petites courses qu'on faisait entre midi et 2 heures, on essayait de s'échapper pour aller acheter de quoi manger.